Je suis arrivé dans le cinéma euh, par le, la voix de l'acteur, du jeu, donc de la comédie. J'ai commencé euh, très jeune, en fait, euh, quand j'avais euh, 14 ans. Euh, je me suis inscrit dans une agence en sortant de l'école. Euh, je suis allé voir une agence artistique qui représente des, des comédiens. Et elle m'a a ouvert la porte, elle a, <laughs> elle a cherché un type devant elle qui n'était pas là, puisque j'étais haut comme trois pommes. Et euh, donc elle a trouvé la démarche rigolote, mignonne. Et, et je suis rentré dans cette agence et j'ai commencé des castings, quoi. Euh, parcours classique du comédien, quoi. Et quelques mois après, j'ai été pris dans un premier rôle pour François Duperron, un film qui s'appelait Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et voilà, et ça a commencé un peu, disons, de manière assez lumineuse et forte, puisque c'était un long métrage qui sortait en salle avec une équipe. Moi, j'étais un enfant dans une équipe d'adultes, c'était assez fort comme expérience. Ça a nourri du coup aussi un désir de continuer. Et donc j'ai passé un bac euh, général, mais j'ai commencé les cours de théâtre euh, en première, seconde, seconde, première. Et puis euh, je me disais, qu'est-ce que je vais faire euh, après, euh, après ça euh, D'autant que j'avais commencé à tourner aussi au lycée, euh, j'avais continué à faire des castings, etc. Bah, ça a orienté du coup mon choix, je suis allé vers une, une filière d'histoire de l'art, option cinéma à la Sorbonne. Et je me suis inscrit euh, au conservatoire du 8e arrondissement au théâtre. Voilà. Et après, j'ai fait ça deux ans, On a les deux en même temps, c'était assez, il euh, y avait beaucoup de travail, plus les tournages aussi qui continuaient. Et j'ai euh, passé le concours de la classe libre en cours Florent, du conservatoire, que je n'ai pas eu, j'ai eu la classe libre, et du coup j'ai fait encore deux ans de formation théâtrale. Et puis euh, j'ai arrêté la fac, j'avais plus le temps, et voilà. Et après, cinq, euh, six ans après, euh, genre quand j'avais 26 ans, j'ai commencé à, j'ai découvert les kino cabaret, qui sont des... Euh, les festivals où les gens se, se rassemblent pour faire des films avec peu de moyens, mais surtout le, le, le désir de travailler collectivement. Et chacun vient mettre au service d'un projet ses, ses qualités techniques, de jeu. Enfin, on peut être amateur aussi, hein. c'est ça qui est assez intéressant. C'est vraiment un lieu d'expérimentation et de et de faire ensemble, de fabrication de cinéma ensemble. Et donc j'ai fait ça en tant qu'acteur et j'avais envie en fait de, de prendre la caméra avec la réalisatrice et j'étais un peu dans la contradiction, je me disais mais pourquoi on fait pas plutôt ce plan comme ça, plutôt que... Et du coup je me suis dit mais en fait t'as un, un désir en toi de cinéma qui n'est pas assouvi en tant qu'acteur, simplement, en tant qu'interprète et euh, t'as envie de, Et donc voilà, je me suis inscrit dans un, un kino l'année suivante et j'ai fait un premier court-métrage. Ce qui m'a emmené après en faire plusieurs et... Et petit à petit, progressivement, euh, d'acteur de ré... de... devenir plutôt réalisateur, euh, écrire mes propres histoires et euh, voilà. C'est un documentaire, vu que je l'ai tourné euh, comme tel. Seulement Adil et Bilel euh, et, ayant une formation d'acteurs, euh, je les ai rencontrés dans une association à Mille Visages où euh, ils faisaient des ateliers d'acteurs et ils ont cette capacité à, à jouer toujours. Donc pour moi, euh, en tant que réalisateur dans ce projet, la difficulté c'était de, de trouver du non-jeu et de la vérité euh, immanente à chacun d'entre eux, donc euh, leur vérité. Et donc je j'arrêtais pas de leur dire non, les gars là vous jouez pas, en fait c'est euh, vous, c'est vous qui m'intéresse, c'est pas. Euh, ce n'est pas le personnage que vous allez créer et présenter devant la caméra, c'est vous êtes devant la caméra et ça suffit en fait. Pour moi c'est absolument suffisant. Et du coup il y avait un petit désir de fiction au début. Je me dis comment je pourrais... Ce serait intéressant de faire un film de fiction où deux jeunes de quartier qui n'ont jamais vu la ZAD se retrouvent là-bas et avec la fiction je vais avoir des leviers dramatiques hyper forts, je vais pouvoir vraiment raconter ce que je veux. Mais il y a un moment je me suis dit, mais finalement, l'expérience réelle de ces deux jeunes qui viennent sur la ZAD, je peux la faire puisque je connais Adil et Bilal et ils ont accepté. Pourquoi je l'accepte pas comme ça, en fait? Pourquoi je... J'accepte pas de voir ce que ça va faire sans savoir où ça ira. Je guide un peu certes, mais euh, mais ça m'échappe. Et j'aime, euh, ça m'intéresse en fait le cinéma qui échappe aussi. Je dis pas que dans la fiction il n'y a pas des cases, des scènes, des séquences ou des moments où ça va, où le réel, une forme de réalité va surgir de le, du cadre qu'on aura placé. Mais là, je voulais vraiment m'abandonner à ça totalement dans le film. Donc c'est vrai que c'est un peu effrayant parce que on commence le film, on ne sait pas ce qui va être, on ne sait pas où ça va aller. On donne des orientations et puis euh, il peut ne pas y avoir de film. Nous, quand on est rentré du week-end euh, après avoir tourné deux jours sur la ZAD, ce qui est très court, je me suis dit mince merde, je n'ai pas, pas mon film en fait. Je crois que ce que j'attendais, je ne l'ai pas forcément trouvé. Et euh, je, me, je me disais, bon, il y a encore le montage, mais peut-être que ça suffira pas. Et donc on a retourné une séquence euh, qui est un prologue un an après, qui en fait euh, fait une. Ouais, ce prologue finit le film et, et nous raconte vraiment l'histoire. Euh, une histoire avec une ouverture dans son une histoire plus, euh, plus ronde quoi. Dans le truc de l'immersion, moi ce qui m'intéresse c'est le regard de l'autre aussi. Euh, nous, moi je les regarde mais eux ils me proposent leur regard et du coup je leur avais dit voilà si vous avez envie de vous allez sûrement le faire naturellement mais moi j'aimerais bien récupérer vos images euh, si vous filmez des trucs euh, comme ça à la volée pour euh, même des moments où je ne serais pas forcément là avec vous, ou euh, des choses qui vont m'échapper du coup, et, et puis qui vont traduire aussi, eux, leur manière de regarder la ZAD, que, comment ils la filment, comment euh, ils se mettent en scène aussi, euh, à travers le, le fait de filmer ou de se filmer eux-mêmes. Et donc, je leur ai demandé si je pouvais utiliser ces images, ils m'ont dit, bien sûr, donc j'ai récupéré, euh, malheureusement, ils en ont supprimé plein, mais j'en ai récupéré quelques-unes que j'ai intégrées au, au film parce que... Euh, c'est laisser la place à, à l'autre aussi euh, que de faire ça et puis ça ne me dérangeait pas du coup euh, c'est vrai que ça fait un insert vertical quand il finit de manière verticale et que ça, que ça transforme euh, c'est plus du 16 9 ou et du coup euh, mais c'est pas grave je trouve que ça, ça amène une, une, un truc un peu protéiforme et, euh, et si on avait pu aller plus loin ça aurait été avec plaisir aussi. Dans mon processus de réalisation, il euh, y a vraiment ce truc de, de questionner le, le spectateur sur euh, l'objet qu'il regarde. C'est l'inviter à être proactif là-dedans, c'est-à-dire ne pas être un spectateur passif, mais de vraiment se mobiliser de l'imaginaire et, et puis surtout un, euh, le, le faire questionner la place du filmeur, du, de, son, de cette soi-disant soi objectivité du, de, du réalisateur. Mais, parce que pour moi, elle est tout le temps à questionner. Un documentaire, si vous prenez un personnage... Euh le, par exemple, le, le face-caméra le face interview euh, qu'on voit dans plein de documentaires, même scientifiques ou j'en sais rien, où tout d'un coup, un, un ponte va vous t expliquer pourquoi les salamandres vivent dans des mars. Bah, c'est une mise en scène, c'est une convention. Ça, c'est le réalisateur ou la réalisatrice qui a demandé à la personne de, de s'exprimer devant la caméra. Donc en fait, là, c'est un documentaire d'immersion. Alors c'est sûr que dans vu que c'est de l'immersion, je ne peux pas faire un truc aussi euh, poussé dans la, la direction. Mais il y a des petites directions quand même. Et c'est sûr que moi, je cherche... Je, fin, je suis très surpris du résultat. Hein. C est, c est, tout ça, c'est quand même assez intuitif et il y a une forme de, 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 de... Tous les sens sont en éveil dans un moment comme ça parce qu'on a deux jours pour faire un film et on ne sait pas où ça va aller. Donc en fait, chaque plan que tu as filmé, tu l'imagines déjà en montage, tu imagines déjà et, et essaie de voir -ce qui va, comment compenser ton récit, qu'est-ce qui va manquer. Et c'est vrai qu'il y a un moment, euh, Adil et Bilal, sur la ZAD, ils ne connaissent pas... Euh... Ils ne connaissent pas la ZAD, ils ne savent pas où aller, que faire, qui rencontrer. Donc moi, je donne des petites poussées comme ça. Allez-y, les gars, on va essayer d'aller voir par là ou peut-être demander un truc à quelqu'un. Puis là, ils font des choses eux-mêmes. Mais euh, ça, c'est les intuitions, voilà. Et bah, pour la, la scène où effectivement ils se perdent un peu dans la dans la ZAD, moi, j'avais vraiment envie après la fête et tout le début où c'est le bordel, ça va très vite, d'un moment où on se pose dans, dans le rythme, j'avais envie de comme une, une ponctuation ou un comme on dit en musique un silence. C'était vraiment, il fallait être assez finot sur la, 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 la présence et la, et la direction. Il y a un moment où la caméra est devant les personnages qui viennent vers la caméra. Donc forcément, c'est pas que je les suivais, c'est que ou alors on les suivait. Il y un moment, on a couru pour les devancer et, fi, et les filmer devant. Mais ça, ça peut traduire une espèce d'anticipation qui moi me dérange en tant que spectateur de voir que ah en fait le réalisateur. Il a tout ça c'est travaillé en fait c'est pas la vérité c'est pas euh, le mouvement réel des personnages et leur volonté c'est euh, c'est lui avec ses intentions et ses intentions me gênent dans mon dans ma perception et, et du coup là là euh, voilà je sais qu'il y a quelques plans euh, même le départ en, là, à la fin quand ils reviennent euh, à Grigny en, en voiture le démarrage de la voiture j'ai des copains qui m'ont dit ah ce plan il m'a gêné parce que euh, en fait il est très narratif et du coup euh, où il, il raconte le découpage de l'arrivée donc c'est que tu l'as découpé donc tu l'as pensé donc en fait on sort de cette espèce de prise de vue ou du montage, peut-être que je pouvais me passer de ce plan. Euh, mais bon, après, il euh, faut faire des choix et puis euh, je suis content des, des, des choix faits. Hein, pas... Mais ça questionne, ouais, ça questionne sur, euh, sur la manière dont on raconte et, et qu'on fait voir et, et qu'on fait croire aussi.